Bonjour, rendez-vous aujourd'hui avec un petit martien, Frédéric Coins, 36 ans, normand d'origine. Il habite désormais Petit-Mar, musicien à ses heures, il est surtout illustrateur indépendant. Il a notamment travaillé sur le projet Archibald et les chaussures sapatouilles. J'ai pas fait les beaux-arts, je suis autodidacte. Je suis arrivé dans la région en 2001 où je me suis installé en indépendant. Avant ça, j'ai travaillé 2 ans sur Paris, entre autres avec l'équipe d'Adibou. C'est un jeu vidéo pour les enfants. Et j'ai beaucoup appris là-bas. Alors, Albin Michel, c'était donc l'année dernière. C'est un projet qui s'est monté sur 2 ans. C'est d'abord Béatrice Chevalier qui m'a contacté, qui est l'auteur d'Archibald et les chaussures sapatouilles. Je m'appelle Archibald. C'est elle qui m'a contacté pour illustrer son projet. Je m'appelle Sapatouille, les choses. Pierre Belmar faisait la voix, avait déjà travaillé sur la version audio du projet. Et puis voilà, donc pendant une année, j'ai réalisé les illustrations du texte. Et Albin Michel a publié le projet final. Donc j'essaie de toucher un peu à tout, la publicité, la communication, les jouets, en particulier les jouets en bois. Et puis je fais aussi un peu de packaging, l'illustration. Le chaperon rouge, c'est le tout premier. À la base, je voulais en faire un livre. C'était inspiré des livres, des illustrations de Gustave Doré. Qu'il faisait, ça me faisait rêver, quoi. Ça, quand j'étais gamin, chaque fois que je voyais des gravures de Doré, ça me parlait, ça me transportait, ça me... Et donc je voulais refaire un peu, redonner un peu ces émotions-là à travers ces illustrations. Et pour découvrir l'univers et les illustrations de Frédéric Coins, découvrez son site internet http://f.coins.free.fr.